Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour à vous et puis bonjour Lydie Zanini. Vous êtes avec nous ce matin. Bonjour à tout le monde. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse, c'est la librairie du théâtre, ou plus tout le monde connaît la librairie Zanini. Oui. On avait envie d'être avec vous ce matin parce qu'on a appris il y a quelques jours la disparition de cet écrivain qu'on adore, qu'on adorait et qu'on adore toujours. Luca Di Fulvio, grand auteur italien, sympathique, charmant, drôle, blagueur. Immense talent, immense conteur, raconteur d'histoire avec le Gang des rêves pour ceux qui l'ont lu. Et c'est Gérard qui m'a dit il faut qu'on lui rende hommage. Oui, parce que je trouve que c'est assez discret quand même au niveau français. Ouais. Je veux dire que pour moi, il y a eu la disparition de Philippe Soler, il y a la disparition de. Di Fulvio, mais je trouve que c'est révélateur parce que je trouve que Di Fulvio, bah, c'est vrai. Il est italien, donc c'est vrai oui, que c'est. Oui, mais enfin, c'est bon, il a eu un immense succès en France. Et puis en plus, c'est un grand écrivain italien et européen. Et puis, c'était un être exceptionnel. C'est-à-dire qu'à côté de ces neuneux qu'on voit en France, qui, dès qu'ils écrivent un livre, regardent leurs lecteurs d'une manière... lui, il était proche de ses lecteurs, de ses lectrices. Il était d'une modestie incroyable. Il avait une envie de vivre. Mais c'est incroyable. C'était un énorme sourire, un énorme éclat de rire. Et moi, j'ai des souvenirs. En fait, ce type, c'est le talent et le sourire. Quoi. Ouais, donc, c'est... Absolument. Ah oui, la générosité. Alors, je pense que pour Lydie, c'est la même chose. Il a eu la maladie de Charcot et jusqu'au bout, Lydie Zanini, vous le connaissiez extrêmement bien, il a gardé il son avait humour, toujours de l'humour, beaucoup d'humour, parce qu'il avait dit à son éditeur qui lui posait la question, maintenant que tu es malade, tu bois moins. Non, mais je ne bois plus. Tu ne fumes plus non plus. Non, je ne fume plus. Mais je recommande à tout le monde d'avoir la maladie de Charcot pour arrêter de boire et de fumer. Voilà. Et son enterrement a été, paraît-il, vous nous disiez, à son image, joyeux. Joyeux, bienveillant. Oui. Il y avait de la tristesse, bien sûr, parce que tout le monde aime Luca. Mais on sentait qu'à travers cette disparition-là, cette dernier hommage à Rome dans une petite église, on sentait que tous ceux qui étaient là ne venaient pas pour le tralala, pour l'homme connu, on venait pour l'humain. Pour l'humain. Et je pense que Gérard sera d'accord avec moi quand on dit le gang des rêves. Oui. Le mot rêve a son importance parce que quand nous qui avons tout lu, hein, toi comme moi, tous les deux, je pense, je trouve moi qu'on aussi. A du rêve. Il rêvait de faire un monde meilleur dans tous ses livres. Absolument. Quand on y réfléchit bien. Et il parlait des gens ordinaires, mais c'est pas péjoratif dans ma tête. Hein, c'est les gens qui ont changé l'Italie et qui il leur donnait de la grandeur, mais ça n'a jamais été niais, c'était un grand écrivain. Il y avait quelque chose de très humain dans ses livres, dans la description des sentiments des personnages, dans incroyable, le Gang des rêves, qui est cette histoire New York, les années 20, cette italienne qui part avec son fils, avec ses enfants, ce rêve raconte. Bien alors en plus c'est ça, c'est-à-dire qu'il raconte le rêve américain. Mais il ne cache rien du rêve américain. C'est-à-dire que cette femme, elle va être confrontée à la mafia, à tout ce qu'il y a de plus cruel. Et puis, c'est des romans. Alors ça, c'est relativement rare, qui ont marqué les gens. C'est-à-dire que c'est plus qu'un écrivain pour eux, c'est un ami. Enfin, c'est quelqu'un qui est rentré dans leur... c'est comme des... je dis doudou, mais c'est tellement généreux, plein d'humanité. Et moi, je me souviens, c'est un des souvenirs, le dernier que j'ai, on avait organisé le Salon de Saint-Maur. Il était déjà très, très, très malade. Et il s'excusait de devoir s'arrêter une heure pour se reposer. Et cette espèce de modestie qui était inversement proportionnelle à son talent, alors que généralement, généralement en France, c'est inversement proportionnel à la modestie. C'est le contraire, quoi. Et donc j'ai des souvenirs de cet homme absolument d'une chaleur humaine incroyable, et ça se ressent dans le livre. Alors si vous n'avez pas lu, allez-y parce que là vous passez à côté. Le Gang des rêves, qui est un des peut-être un monument. Des plus beaux livres et que vous ne lâcherez pas. Hein. Encore une fois, vous êtes dans cette Italie avec le rêve, New York. Et puis cette Italie cruelle, c'est-à-dire où les femmes étaient vraiment à la merci des grands propriétaires. Puis il y a le dernier, la Mama Roma, qui était exceptionnelle aussi, qui était vraiment très... Il n'y a pas un livre de lui qu'on peut se dire, c'est un peu laissé aller, quoi. Non, il y a toujours cette... Il y a celui sur Venise qui est incroyable. Allez-y, c'est en poche. Et franchement, non, je crois que Lydie sera comme moi. Les enfants de Venise, le soleil des rebelles. Oui. Et tu te rappelles celui qui, donc, le Soleil des Rebelles qui se passe au Moyen-Âge, celui qui se passe en Argentine également, avec des faits véridiques qui nous éclairent, qui nous apportent des choses.
Alors que dans les romans historiques, en général, c'est brut de décoffrage. Là, ouais. On a un côté humain avec ouais. tous les moments historiques qui sont vrais. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et c'est la meilleure chose que nos lecteurs pouvaient nous dire. J'ai appris, je me suis régalée. Ouais. Alors les prisonniers de la liberté, ce ouais. roman. Et c'est, ah oui. C'est en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est addictif quand vous rentrez. Oui. C'est des pavés, ce sont des sagas, c'est des histoires, c'est un grand raconteur d'histoires et vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est... Non, et puis alors il parle de l'Italie ou d'autres pays, mais ce sont des personnages universels, c'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver. Parce que souvent, il y a des très beaux romans qui sont français, mais ça reste français et assez hermétique aux autres pays européens. Et là, moi, l'Italie, je ne connais pas particulièrement, mais là, vous êtes touché parce que vous retrouvez quelque chose de commun à tous les gens, et puis ce sont des gens que vous fréquentez, enfin, ce qu'ils appellent, quand je dis des gens ordinaires, c'est des gens de tous les jours, c'est-à-dire il leur rend leur vraie place. C'est vraiment un pied d'égalité avec les riches. C'est ça que j'aime beaucoup, parce que chaque et c'est humain vraiment... a son importance. Et là, je trouve que c'est la pire nouvelle qui pouvait arriver cette année, parce que franchement, Il y a un nouveau livre qui est annoncé pour le mois d'août. Vous savez comment il travaillait, Lydie? Il était en train de faire la suite du Gang des Rêves, là. Il était en train d'écrire. Alors, je ne sais pas si c'est sa femme qui notait ou s'il avait quelqu'un avec lui, mais je sais qu'il était entouré, parce qu'il est toujours très, très aimé. Mais normalement, il y avait un début de suite du Gang des Rêves. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça paraîtra et si c'est terminé, mais on sentait qu'il était tout à fait à son public, tout le temps, parce qu'il l'aimait. Je peux vous citer un petit truc dans le magasin qui s'était passé. Quand il était venu signer la dernière fois, il était déjà très affaibli, puisqu'il mangeait très, très peu. Eh bien, le jour de la signature, des clients sont arrivés avec leur chien. Il faut savoir que Luca adorait les chiens, parce qu'il en avait 3 dans un appartement quand même. Il s'est mis à genoux par terre et il jouait avec le chien, qui avait la queue évidemment, parce qu'il y a du monde quand il est là. Ouais. Il disait « j'aime les chiens, il est venu, je le caresse ». Tout le monde l'acceptait, parce que tout le monde savait qu'on aurait le même temps, la même gentillesse et la même attention. Toujours. Mais il faut pas. Enfin, pour nos auditeurs, lisez ces livres. Si vous ne les avez pas lus, Le Gang des Rêves, C'est le rôle des éditeurs, des auteurs, des lectrices et des lecteurs, et surtout des libraires, de faire en sorte que cette disparition ne soit pas la disparition des livres. Il faut absolument continuer à le mettre en place, à mettre des piles, à le conseiller, parce que souvent on a une tendance à dire il est mort. Je suis persuadée que c'est un auteur qui restera, mais il faut qu'on l'aide. Et c'est ce qu'on lui doit pour le plaisir qu'il nous a donné. Mama Roma, c'était les derniers jours des papes. C'est le combat pour la naissance de la République. Mais c'est jamais ennuyeux, n'ayez pas peur de ces thèmes. Pas du tout. Parce que justement, est-ce qu'on peut dire que c'est un écrivain populaire, qui est un mot qui n'est pas très. Mais qui n'est pas bien vu par l'intelligentsia. Non. Mais moi, il me fait penser au Misérable de Victor Hugo, c'est-à-dire il a cette notion de raconteur d'histoire, mais en même temps de faire passer des idées et tout. Exactement Victor Hugo à notre époque. Alors, il y en a qui vont sauter au plafond, mais je suis absolument persuadé que cet homme a sa place dans la littérature européenne du XXe siècle et une grande place. Merci beaucoup, Lydie, d'avoir été avec nous et d'avoir rendu hommage à ce grand écrivain, Luca Di Fulvio. Vous pouvez lire tous ses livres en livre de poche. En plus, ça ne coûte pas cher. Non. Et si vous cherchez des livres à emporter en vacances, on vous les garantit. Merci à vous.